chaque fois que je reviens, j'ai toujours un petit coup au cœur, hein, parce que c'est vraiment le berceau de l'association. On va passer un petit pont, et de l'autre côté, c'est le département du Nord, et c'est Busigny qui commence. Et il faut bien dire que c'est pas très loin de l'entrée du département que se trouve le village d'enfants SES, le premier donc, qui est à Busigny. Pas où nous avons eu la première famille, mais les suivantes, c'est ici sur la gauche. Tous les jeunes de Busigny me disent « Alors on fait ensemble et on te donne un coup de main. » Ce qui était très encourageant. Et à partir de là, l'un d'entre eux, l'un des jeunes, était le fils du fossoyeur de Busigny. Ça peut paraître bizarre de parler d'un fossoyeur donc, qui s'occupe des tombes au cimetière de Busigny, mais il avait une grande camionnette à fond plat. Et donc pour nous, c'était extraordinaire quand cet homme, le fossoyeur, dit à son fils, dit à Gilbert que notre camionnette est à sa disposition tous les dimanches, gratuitement. Vous embarquerez à bord ce que vous voulez, 10, 15, 20, 25 jeunes de Busigny, puis vous irez de village en village. Et donc, ça serait impossible aujourd'hui de prendre une camionnette aussi grande et de monter à 25 sur le plateau. Là, tout le monde savait, y compris les gendarmes. On était extrêmement prudents. Et puis, on tapait aux portes et on avait mis au point quelque chose de très simple. Nous venons de Busigny, nous voulons créer un village d'enfants pour des enfants orphelins. On a besoin de vous. Est-ce que vous voulez bien vous engager? Et on disait, on ne fait pas l'aumône, hein, parce qu'on va construire le village, ce qui veut dire qu'on va accueillir des enfants et qu'on va les garder jusqu'au moment où ils seront assez grands pour s'envoler dans la vie, avec un bon métier. Et donc, si vous les approuvez, alors on vous demande de vous engager sur la base de 1 franc par mois dans la durée. On allait le dimanche à la sortie de la messe pour vendre des adhésions. Vous voyez, on allait comme ça, on partait partout. On avait un maître qui nous guidait, hein. C'était Gilbert. Puis ensuite, on a créé en 1954, une association Village d'enfants SES de Busigny, déclarée à la sous-préfecture de Cambrai. Je me dis, mais en Autriche, j'avais posé la question à Hermann Gmeiner, qui m'avait dit, il y a 2 sources de revenus. Nous faisons du porte-à-porte, et puis nous vendons des cartes postales à Noël et à Pâques par l'intermédiaire de toutes les églises catholiques d'Autriche. Je lui avais dit, moi je veux créer une association, et je crée donc une association qui sera libre de toute attache politique, confessionnelle, idéologique. Et à partir de là, je vais voir l'inspecteur d'académie et je lui explique. Il me dit, je suis au courant de votre projet et je l'approuve pleinement. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Je lui dis, est-ce que vous pourriez nous donner la liste précise de toutes les écoles du département avec le nombre de classes, le nom du directeur ou de la directrice? Et puis, bien sûr, si vous nous donnez ces informations, m'autorisez à écrire à tous ces directeurs et directrices en disant que vous êtes d'accord, sinon qu'on ne pourrait pas s'adresser à eux. Il a tout de suite dit oui. «
ça m'a mis dans l'obligation de dire, bon, alors il faut qu'on imprime 500 000 cartes postales. Et donc, je vais voir ce petit imprimeur à Vervins, il s'appelait Pierre Gernet, et je lui dis, ben, est-ce que tu accepterais d'imprimer 500 000 cartes postales? Je peux m'engager à payer ce que ça va coûter, mais est-ce que tu peux prendre le risque avec moi? Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'argent pour prendre l'engagement. Donc il dit oui, on imprime 500 000 cartes postales, il imprime. Tous les jeunes de Busidy et les adultes donnent des coups de main. Et puis on fait parvenir donc à toutes les écoles du département. Or, on se rend compte très très vite, parce qu'on voyait les résultats arriver au point de vue financier, que ben, ça se vendait très bien. Je vais voir l'inspecteur d'académie qui s'appelait Victor Dubu. Je demande rendez-vous à Victor Dubu. Il me dit, je suis au courant, hein. Les enseignants m'ont mis au courant, tout est vendu. Il me dit, on recommence hein, l'année prochaine. Je lui dis, ben oui, mais on va multiplier. Est-ce que vous pouvez m'introduire auprès du recteur d'académie? Ce qui explique que la deuxième année, on a envoyé, je crois que c'était 2 500 000 cartes postales, dans 5 départements. J'avais un cousin qui, comme moi, fils d'ouvrier, avait pu faire quelques études, était devenu ingénieur dans une usine. Il me dit, ce serait bien que je te présente à mon patron, je pense qu'il accepterait que les ouvriers soient consultés pour pouvoir accepter ce que vous obtenez en faisant du porte-à-porte. C'est-à-dire que chaque ouvrier soit contributeur au niveau de 1 franc par mois de manière continue. Alors j'ai été reçu par le patron d'Isberg et qui tout de suite m'a dit « Je serai d'accord pour doubler la somme qui sera apportée par les ouvriers. » Pour nous, ça a été très très important parce que nous avions tout de suite un nombre de donateurs qui avait doublé, triplé en quelques visites. Quand on est très attentif, qu'on est à l'écoute, qu'on regarde, les choses peuvent s'ordonner à chaque fois d'une façon très normale, enfin très cohérente. Et il se fait que j'étais en dernière année de mes études secondaires au lycée de Cambrai et le pion qui était presque tous les jours, tous les premiers temps où j'y suis allé, il s'appelait Jean-Pierre Rousselot. On a noué une relation de cordiale, hein, jusqu'au moment où il me dit qu'il travaille aux Houillères du Nord et du Pas-de-Calais. Et aussitôt, je lui dis, mais il faut que je t'explique le projet que je voudrais développer pour créer un premier village d'enfants SES à Busigny. Et ça a été extraordinaire. À la fois, le projet a été emballant, et l'homme qui me le présentait avait un charisme extraordinaire et à la suite de quelques heures passées avec lui, j'ai décidé de l'aider et c'est là que toute ma vie a basculé. Mais en même temps, les amis de Busigny et de la région essayaient tous de m'apporter de quoi faire avancer. C'est ainsi que une petite entreprise de construction du bâtiment de Busigny, l'entreprise Delvigne, immédiatement a dit « Si vous me donnez les plans de votre architecte bénévole, eh ben nous, on va regarder comment on peut faire pour construire les 6 premières maisons, combien ça coûterait, avec quels matériaux, etc. » Et c'est ainsi qu'un représentant de l'entreprise Delvigne a pris en main tout de suite la mise au point d'un chantier. Et c'est comme ça que les 6 premières maisons de Busigny ont été construites, en même temps que finalement on trouvait le financement. Donc on savait que les maisons devaient pouvoir accueillir chacune une fratrie de 5, 6, 7, 8 frères et sœurs. Donc il fallait essayer de calculer au plus juste. C'était vraiment des maisons
toute simple avec une grande salle de séjour, avec cuisine, une salle de jeu, et puis je crois qu'il y avait en moyenne 4 ou 5 chambres dans chacune des 6 maisons. Alors ça, la petite maison, pour moi, ça a été... C'est presque grâce à ça que j'ai accepté de travailler au village d'enfants. J'étais tellement allergique aux collectivités, aux grands établissements, aux groupes d'enfants qui étaient parents d'âge, etc., dans tout cet établissement qui recevait des orphelins, aux orphelins qu'on mettait habillés pareils, etc. Tout ça, c'était très bien, mais c'est vraiment... Le fait d'avoir une petite maison pour soi, avec un escalier, vous vous rendez pas compte qu'il y avait un escalier dans toutes les maisons. Et puis, même si c'était pas parfait, parce qu'il y avait des maisons qui étaient quand même petites, etc., c'était formidable de leur donner un toit à eux. Entre deux, d'ailleurs, en 1956, avant d'être mobilisé, on a posé la première pierre du village d'enfants Busigny. Hermann Gmeiner est venu d'Autriche et a posé la première pierre avec nous. Il était donc accompagné par une de ses collaboratrices, que j'avais rencontrée d'ailleurs. Et c'est elle qui, en quelque sorte, traduisait les quelques phrases que Hermann prononçait en allemand, mais tout simple, qui était du genre « Je suis très heureux que la modeste idée que j'avais eue soit reprise par le groupe, par Gilbert et par un groupe français. » Et puis, bien sûr, je suis complètement disposé à apporter mon aide à chaque fois que ça sera nécessaire. Alors, mes parents étaient là, très heureux, je dirais même un peu fiers. Ils se rendaient compte que le tout jeune prof que j'étais allait pouvoir contribuer à initier quelque chose pour les enfants. Et donc, quand je suis parti en novembre 1956 en Algérie, contrairement à mon souhait, nous savions tous que ça allait prendre le temps qu'il fallait, mais dès que je rentrerais, on pourrait ouvrir les autres maisons tout de suite. Et curieusement, ça s'est fait comme ça, et ça veut dire que le sous-préfet de Valenciennes, qui m'a téléphoné en disant « j'entends dire beaucoup de bien du premier village d'enfants SES qui existe à Busigny, est-ce que je peux venir le visiter ?»« Oui, bien sûr. » Ce sous-préfet arrive à Busigny, regarde sa montre devant moi en disant « Je dispose d'une heure » et je lui rends la politesse que m'avait faite Hermann Gmeiner à Imst. Je lui dis « Vous pouvez tout voir, tout demander. » Il est resté 3 heures pour quelqu'un qui était très pris. Et au bout de 3 heures, il me dit « J'espère que vous n'allez pas en rester là. » Je lui dis « Vous êtes en train de me dire qu'il faut créer un deuxième village d'enfants. » Il me dit « Oui, ça va de soi. » Je lui dis « Vous savez, pour avoir... collecter l'argent, et puis aussi, le point très important, recruter avec soin des femmes qui deviennent des mères d'adoption, même si elles ne sont pas adoptives, mais quand même qu'elles s'engagent complètement, c'est pas si simple. Et en tout cas, l'argent est quand même le point de blocage numéro un. » Il me dit, si vous voulez, puisqu'il y a une crise du logement qui est née depuis la Deuxième Guerre mondiale, on est en train de construire, alors qu'on les appelle des cités, des résidences, il me dit à Valenciennes, il y en a une en cours de construction. Je suis sûr que si je vous présente au président et au directeur général de la cité du Hainaut, ils vont accepter d'intégrer c'est-à-dire de mettre à votre disposition le nombre de maisons, 8, 10, ce que vous demanderez. 2 jours après, j'étais reçu. Effectivement, je dirais presque les bras grands ouverts aussi. Le directeur général de la cité du Hainaut me dit, non seulement on est d'accord pour mettre à votre disposition, moyennant un loyer, alors il me fait ce geste-là, un loyer de ça, mais si au lieu de ça, vous payez ça, dans 10 ans et demi, l'association des villages d'enfants SOS sera propriétaire.
Je téléphonais tout de suite au député maire de Cambrai, qui s'appelait Raymond Chernet. Je vais le voir et immédiatement il me dit « Viens, je te présente tout de suite au président et directeur général de la maison familiale à Cambrai », qui tout de suite a dit oui. Voilà comment, en l'espace de 2 ans, le village d'enfants SOS de Marly-les-Valenciennes a pu naître et le village d'enfants SOS de Neuville-Saint-Réméry, près de Cambrai, a pu naître. Le chantier de Marly était un chantier donc qui se composait de beaucoup de maisons, mais dans lesquelles on avait tout de suite choisi de financer un petit peu plus. Alors, ça ne m'obligeait pas à avoir le même suivi que pour Busigny, mais quand même, les contacts que nous avions pris dans la région nous permettaient de co-financer ce qui allait durer 10 ans et demi avant d'être propriétaire. Et c'est là où les houillères du Nord-Pas-de-Calais sont entrées en piste et un certain nombre de grandes entreprises. Et puis c'est en même temps que les entreprises, que les chefs d'entreprise, que j'ai fait connaissance des clubs, des Rotary Clubs, des Lions Clubs de la région. Et je crois que c'est le Rotary Club de Cambrai qui m'ont dit qu'ils pouvaient m'introduire auprès des clubs de Nancy et de Metz, ce qui nous a donné le développement vers l'Est. Alors, dès que nous avons été en mesure d'accueillir des fratries, moi, je continuais à développer mes relations, notamment à Lille, avec les autorités, alors pas seulement de le préfet, mais les services, c'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque l'assistance publique. C'est-à-dire j'ai fait connaissance d'un certain nombre d'assistantes, c'était des collaboratrices de ce qui est devenu l'aide sociale à l'enfance. Et qui, évidemment, c'est à travers ces personnes qu'on a eu des candidatures assez rapidement, d'ailleurs, de fratries, pour des fratries. Le premier village d'enfants de SOS du monde était Ibst, au Tyrol, et Busigny était le deuxième village d'enfants du monde. Nous étions à la fois fiers, à la fois évidemment très, très émus. Moi, j'avais été déjà suffisamment ému par l'accueil de la fratrie Chaise, la fratrie confiée à Odette Nollet, mais à chaque fois qu'une nouvelle fratrie, famille, est arrivée, alors à Busigny, puis ensuite dans les quelques villages dont j'ai été l'initiateur, évidemment, à chaque fois, j'étais aussi ému.